Il va mieux, mon fils. Hein? Bon, du coup, j'ai fait le velouté de légumes. Et mon fils, il mange... Bon, c'est pas les tartines, c'est les miches au fil américain avec cornichons dedans. Toi, c'est du noir au blanc. Hein. Hier, c'était mal. Là, tu pètes la forme, là. Ouais. Hein? On va faire dodo, parce que demain, il y a école. Non. Si, si. C'est encore pédagogique, demain. Non, non, non. C'est aujourd'hui, demain, école. Ouais. Ouais. Par contre, demain soir, on va... On va faire un de ses restos demain. Il est trop content. On mange un peu gastro demain, hein, mon fils. Qui est là? Qui est là? Oh, yo, il est belle. Mais qui t'es belle? Passe une bonne journée, mon chéri. À ce soir. I love you. Hello, hello. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez-moi, tout va très bien. Je pars à mon petit rendez-vous. Comme je vous ai dit, j'ai recommencé ma petite cure de LPG, etc. Donc là, je vais à mon petit rendez-vous, puis je rentre à la maison, puis à notre petit rendez-vous l'après-midi. Ce soir, nous allons manger dans un restaurant. Je me réjouis trop avec mon fils et Romain. J'ai trop hâte. Je viens de rentrer à la maison, donc j'étais faire ma petite séance de LPG, ça m'a fait du bien. Puis après, j'ai fait donc une séance d'électrostimulation. Et de la radiofréquence, donc c'était ensemble, c'était vraiment trop bien. Je vous mets les bienfaits donc de tout ce que j'ai fait. Bon, après le LPG, je combine avec... Avec quoi, Leslie? Elle rigole parce que... L'électrostimulation de la radiofréquence, dernière génération. Voilà, donc il y a la radiofréquence dedans. On va avoir tout plat pour l'été. Oh, on le sent, hein. Les filles, j'espère que ça va toujours pour vous. Je voulais vous parler d'une marque aujourd'hui. C'est donc Leg Velours. Donc ce sont des collants polaires et des leggings. Leggings, je vous montrerai après. Je suis fan. Moi, vous le savez, j'adore m'habiller très cool en semaine. Donc, souvent, le pull, le t-shirt, le legging, il est incroyable. En plus, avec les températures, donc le froid et tout, ouh, c'est une dinguerie. Là, j'ai mis les collants. Voilà, juste ici. Je vous montre. C'est trop agréable. Ça tient vraiment très chaud, donc ça vous permet de vous habiller toujours très féminine, donc même quand il fait froid, même quand il fait moins 5, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc je voulais vous montrer donc à l'intérieur du collant polaire, c'est comme ceci, c'est hyper agréable, c'est tout doux et ça tient vraiment chaud, les filles. Donc il y a deux types de leggings. Donc celui-ci c'est effet transparent, mais bon, c'est pas transparent, c'est vraiment comme si c'était transparent du legging. Donc celui-ci c'est effet transparent, mais bon, c'est pas transparent, c'est vraiment comme si c'était transparent, mais pas du tout. Alors ici, les filles, je vous montre le legging. Il est en bleu marine. Voilà, regardez. Oh, j'aime trop. Il est gainant en plus. Il tient chaud. Je vais vous montrer aussi à l'intérieur. Franchement, il est trop bien. Vous allez kiffer ce legging polaire. Donc ça, c'est le legging bleu marine, les girls. Regardez, je vous montre de près. Donc, le legging, il est stretch en plus. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais vous montrer donc à l'intérieur aussi. Voici donc à l'intérieur du legging. C'est tout doux, les girls. Mais vraiment tout doux. Voilà, donc je vous remonte, il est gainant, ça va vraiment, les filles, vous réconcilier. Donc avec le froid, vous allez kiffer donc les leggings et les collants polaires. Je vous ai mis un code promo juste ici, de moins 30%, donc n'hésitez pas. Alors, Leg Velours, c'est une marque française, c'est pour toutes les tailles et toutes les morphologies. Ça tient chaud et c'est très douillé. Donc, comme je vous l'ai dit, les filles, franchement, n'hésitez pas, du code promo de moins 30%. C'est assez marrant depuis hier, le petit débat qu'il y a sur les tartines, sur les miches, sur les sandwichs, voilà. Donc,
Moi, ça me fait rire, c'est parce que c'est vrai qu'on a des expressions, nous, en Belgique, même à Liège, parce qu'apparemment, il y a aussi des expressions qui ne sont pas du tout les mêmes sur Bruxelles, etc. Mais entre la France et